directement. Je suis ici. Non, je vais t'attraper. Soit mes oreilles déconnent, soit quelqu'un est là. Non. T'as entendu parler de rien, le dernier combat des dieux? Eh bien, Métro 2 est l'endroit où les dieux du Panthéon soviétique trouveront refuge si les forces du mal l'emportent. La légende dit que Métro 2 est caché sous les nôtres. Notre métro est celui des moutons. Métro 2 est destiné aux bergers et à leurs chiens. Il y a fort longtemps, les bergers gardaient fermement les troupeaux. Mais ils se sont affaiblis par la suite et leurs moutons se sont dispersés un peu partout. Une seule porte reliait les deux. À un endroit qui divise la carte aujourd'hui avec un trait rouge. On ignore pourquoi, mais la porte de Métro 2 s'est refermée pour toujours. Ceux qui vivent ici ont oublié Métro 2. Et c'est devenu une sorte de mythe. Mais pourtant, il existe autour de nous. Hey! On dirait.
position! Bien, ça m'a l'air calme. Les gars, une flopée d'oiseaux vient nous rendre visite. Thank you.
Ne bougez pas d'ici. On passera vous prendre au retour. C'est une blague. Encore un peu, et ces monstres nous auraient déchiquetés. Bon travail, Artyom. Bibliothécaire! Écoute-moi, Artyom.
Les bibliothécaires sont parmi les créatures les plus dangereuses ici. Je me retrouvais de nouveau seul. Et bientôt, j'allais devoir affronter la peur. Littéralement.
Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose approche. Ignore-le. Le chaos du tunnel était enfermé derrière les portes du sas. Elles avaient l'air indestructibles. Et à cet instant, mes camarades aussi. Très bien, on a réussi à passer. On va essayer de faire ça vite et bien. Ullman, tu diriges l'équipe d'assaut. Boris et Stepan, vous couvrez le comique. Artyom et Vladimir, restez près de moi. Allez, on y va. Pourquoi se dépêcher, colonel ? On devrait plutôt s'asseoir et fumer une clope. On est bien trop nerveux.
Pas de repos pour les braves, comme tu le sais. En avant, mes soldats! Vous allez passer à la postérité! La postérité? Je suis pas sûr de vouloir laisser mon nom dans les annales de l'histoire. Regardez! Quelqu'un a laissé un squelette ici. Ça vous tente un petit souvenir? Ullman, ça suffit avec tes blagues! Quand on sera à la station, tu nettoieras les tunnels avec une brosse à dents. Oui, mon maréchal. À vos ordres, mon général. Voici notre premier défi. Artyom, allume ces interrupteurs. Ce truc est marrant. Dommage qu'ils soient blessés. Artyom, inspecte cette pièce. Artyom, ne tire pas! Ça sert à rien! J'ai une médaille. Ullman, jette un œil aux égouts. Ah non, je peux pas y aller. C'est sombre, j'ai peur. Merde! Pas de vulgarité, soldat. Je suis pas vulgaire, c'est de la merde. Vraiment, et j'ai marché dedans. Mais c'est bon. C'est pas un signe, c'est un soldat. S'il y a de la merde, ça veut dire comment t'accompagner. Bye.
On dirait qu'on est au bout. Regarde ce qu'il y a derrière cette porte. Mon ami, pourquoi ? Stéphane, c'est terminé. Tu peux plus l'aider. Stéphane, on y va. Ils sont foirés. Boris, je le jure sur ta mémoire. Je les traquerai tant que je serai en vie. Putain de monstre ! Très bien. Il y a une station d'essence et des égouts plus loin. Il faut qu'on ouvre la porte. Donne-moi quelques minutes. Très bien, vas-y. Encore un peu. C'est ouvert. Mettez vos masques à garde. Maintenant, il y a un passage en bas. C'est notre seule solution. On y va doucement. C'était quoi ? On s'est fait repérer. Attention. C'est la porte qui mène à D6. On y est? On dirait bien.
Merde! C'est verrouillé! Oh, ça me surprend pas. C'est quoi ce truc? On dirait une fichue porte. Allez, on y va. Venant. Archon, inspecte cette pièce. On va essayer de te rejoindre. En attendant, on cherche une sortie. Bonne chance. Artyom, ici! Juste ciel, au moins t'es en vie. On a perdu Stepan. Putain! Hé, hey, silence! Y'a un son qui provient du tunnel. Vous l'entendez pas? Quelque chose approche. Et alors? Ressemble à un système automatique. J'ai regardé ça. J'ai comme un mauvais pressentiment. RS. Il n'y a pas d'autre solution. On doit grimper à bord. Alors la prochaine station, c'est D6.